Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va apprendre à monter un PC de A à Z. Alors je sais que pour beaucoup de monde, monter un PC, bah c'est assez compliqué. Mais vous allez voir que c'est pas beaucoup plus ardu que d'assembler des Lego. Dans cette vidéo, on va parler de chaque pièce séparément, que ce soit la carte graphique, le water cooling, le processeur, la carte mère ou bien même l'alimentation. Tout va y passer. Comme ça, en même temps, je vais vous donner quelques conseils pour choisir vos pièces au mieux, justement pour optimiser votre build et pour que ce dernier fonctionne au final. Ce serait bête d'avoir des composants qui ne sont pas compatibles les uns envers les autres. On va partir sur une vidéo assez longue, alors si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu et on fera plus souvent des vidéos build. Par ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je parle de build plus abordable, par exemple à 500, 1000, 1500 euros, parce que là on part sur une machine de guerre. Du coup, niveau performance, ça va être très violent, mais niveau prix, bah ça va pas être premier prix non plus. Parce que là, clairement, on est sur un des builds les plus puissants qu'on peut trouver sur le marché de nos jours pour du grand public, j'entends. On n'a pas non plus du Threadripper et du Quadro, mais c'est déjà pas mal. Par ailleurs, pour les composants, je remercie AMD, BeQuiet, MSI et Kingston pour m'avoir fourni ces derniers. Et d'ailleurs, comme d'habitude, si une des pièces de cet ordinateur vous intéresse, tous les liens se trouvent dans la description. Eh bien, commençons sans tarder. Le boîtier. Le boîtier est une pièce très importante et il n'est pas uniquement esthétique. Alors oui, un beau boîtier c'est plus sympa, mais il en faut un qui convienne à vos composants. Trop grand et ça fait très vide et trop petit, bah ça rentre pas. En général, un boîtier vers les 100 euros fera l'affaire. Dans cette vidéo, on va utiliser le BeQuiet PureBay 600 avec une vitre trempée. C'est la grande mode de 2017, mais c'est vrai que ça fait très classe. On peut voir l'intérieur de notre machine en fonctionnement. Si on a envie de rajouter quelques bandeaux de LED, eh bien ça peut donner un effet très sympa. En dehors de ça, on attend vraiment deux choses de notre boîtier. Qu'il ait une bonne capacité à faire circuler l'air grâce à l'aide des différents ventilateurs pour garder nos composants au frais. Mais aussi qu'il arrive à faire tout ça en silence. Parce qu'avoir un PC bruyant à côté de soi H24, ben je vous assure que c'est vraiment pas la joie. Maintenant qu'on a notre boîtier, on va pouvoir commencer à rajouter les pièces. Et on va commencer par l'alimentation. Alors, au niveau alimentation, sur quoi il faut partir? Il y a trois critères pour la choisir: la puissance, le rendement et si elle est modulaire ou non. Pour la puissance, eh bien il faut qu'elle soit suffisante pour tous les composants de notre PC, sinon ça risque de poser problème. Mais attention, c'est pas pour ça qu'il faut en prendre une trop puissante, parce que sinon on part très vite sur quelque chose qu'on appelle l'overkill, et c'est mettre beaucoup trop d'argent dans un composant qui n'en a pas besoin. En plus de ça, le PC tournera bien mais avec un mauvais rendement et du coup avec une consommation bien plus élevée. Pour choisir facilement la puissance de son alimentation, il faut prendre en compte la consommation du processeur, la consommation de la carte graphique, la consommation des différents stockages, ainsi qu'un petit surplus de 15% pour tout le reste, tout ce qui est LED ou même les autres composants, qui ont aussi besoin d'un peu de puissance, mais pas tant que ça. Bon, ici, le calcul est très grossier, mais vous avez des sites qui vous permettent de connaître la puissance requise à votre PC. Il suffit juste de rentrer chaque composant que vous avez à l'intérieur et hop, il va vous donner la meilleure puissance pour votre ordinateur. Bien sûr, je vous mets ça en description. Ici, vu qu'on part sur un R7 1800X et sur une GTX 1080, notre alimentation de 750 watts suffira largement. Maintenant, on va parler du rendement. C'est représenté par le petit sigle qu'on trouve à l'avant de la boîte. Bien évidemment, plus c'est haut, mieux c'est. Mais en même temps, bah, ça coûte plus cher. Concrètement, un meilleur rendement va changer deux choses. Tout d'abord, la consommation globale de notre ordinateur, mais aussi le fait que l'alimentation chauffera moins, et du coup fera moins tourner les ventilateurs, ce qui rendra notre PC plus silencieux. Et enfin, le dernier critère, si elle est modulaire ou non. Et là, bah, il n'y a pas vraiment de choix. Pour moi, il faut prendre une alimentation modulaire. Parce que vous allez voir qu'au niveau des câbles, à la fin, c'est vraiment une plaie d'avoir une alimentation non modulaire. Ce qui va changer, c'est que sur une alimentation modulaire, vous n'aurez pas besoin de laisser tous les câbles superflus, là où vous n'avez pas réellement le choix sur une non modulaire. Et ça fait vraiment pas beau tous ces câbles qui sont branchés à rien à la fin. Alors oui, ici c'est plus esthétique qu'autre chose, mais je pense que ça vaut clairement le coup. Sur ce build, on a une BeQuiet Dark Power Pro 11 à 750 watts avec un rendement de platine 80+, ce qui va lui permettre d'être donc très silencieuse. Enfin, elle est modulaire et comme je vous ai expliqué, bah c'est franchement pratique. Pour la placer sur notre ordinateur, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de la placer en bas de notre boîtier et de la clipser. Il n'y a plus qu'à visser derrière et hop, c'est fini. La carte mère. La carte mère est une pièce extrêmement importante de votre ordinateur puisque c'est elle qui va relier tous les composants entre eux. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas négliger cette dernière, et c'est surtout au niveau des différentes compatibilités que ça va être important. Et donc les deux points les plus importants d'une carte mère sont premièrement le socket. On en reparlera plus tard dans la partie processeur, mais bah concrètement c'est là où le processeur va être placé. Dites-vous simplement qu'on fait pas rentrer des carrés dans des ronds. Et donc si vous avez un socket Intel pour un processeur AMD, bah c'est exactement la même chose. De manière générale, côté AMD c'est AM3 et AM4, et côté Intel c'est LGA 1150 et 1151. Ça après ça dépend de la génération de votre processeur. Ici, vu qu'on a un Ryzen 7 1800X, eh bien on va partir sur du AM4. Ensuite, second point, c'est la compatibilité avec la mémoire vive. Là c'est pareil que les sockets, eh bien il y a une certaine norme à
respecter. Les deux plus courantes aujourd'hui sont DDR3 et DDR4. Alors vous aurez beaucoup plus de chances de tomber sur du DDR4 de nos jours, mais c'est pas totalement impossible de tomber sur du DDR3, donc il faut faire très attention. Encore une fois, on en reparlera à la partie mémoire vive. Il faut faire aussi attention aux contraintes un petit peu plus spécifiques. Par exemple, si vous voulez mettre un SLI dans votre ordinateur, c'est-à-dire mettre deux cartes graphiques dans ce dernier. Si c'est le cas, eh bien il faut que cette carte mère soit compatible. Il y a aussi la sortie son 7.1, le port M2 pour les SSD, etc. etc. Enfin, si vous avez l'intention d'overclocker, eh bien il faut que la carte mère puisse suivre. Certaines ne peuvent pas être overclockées alors que d'autres si. Ici, on a une carte mère de chez MSI, la X370 X-Power Gaming Titanium, qui va déjà nous permettre d'utiliser notre Ryzen, mais aussi d'équiper notre ordinateur de mémoire vive en DDR4. Alors là, il faut être un petit peu plus méticuleux pour ajouter ça à notre boîtier. On commence par placer l'input-output sheet, désolé pour l'anglais, dans le fond du boîtier. Puis on va placer délicatement la carte mère au-dessus de l'alimentation, pour qu'encore une fois, elle soit accessible par l'arrière, parce que c'est là où on va brancher tous nos périphériques tiers, que ce soit la souris, le clavier et tout le reste. On peut d'ailleurs commencer à câbler l'intérieur avec les petits fils qui traînent. Ça sera déjà ça de fait. Pour ça, eh bien, gardez bien votre manuel de carte mère, parce que c'est extrêmement important. C'est même le plus important de tous les manuels que vous aurez sur vos composants, puisque bah, c'est là-dessus qu'on va trouver 75% des instructions de câblage. Le processeur. Le fameux premier combat. Alors, Intel ou AMD? Eh bien, j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous mets cette dernière en fiche, juste ici. Mais pour résumer, je trouve qu'Intel est plus optimisé monotâche et jeu, là où AMD est plus optimisé multitâche et travaux lourds. Et donc, tout ce qui est montage, streaming, bref, des trucs de youtubeur. Faites attention aux sockets dont on parlait plus haut, que celui du processeur et de la carte mère correspondent. Ici, deux caractéristiques principales. Premièrement, le nombre de cœurs. C'est là la plus grande différence entre des processeurs Intel et AMD. Intel est plus du côté 4 ou 6 cœurs, là où AMD est plus du côté 6 ou 8 cœurs. Plus il y a de cœurs, mieux c'est pour du multitâche. Mais les jeux vont pas forcément profiter de ce surplus de cœurs. J'avais d'ailleurs un petit peu parlé de l'inutilité d'avoir énormément de cœurs pour un setup gaming. Je vous mets aussi cette vidéo en fiche ici. Et deuxièmement, la fréquence. Là, sur le combat de la fréquence pure, c'est Intel qui gagne. Car chez AMD, la plus élevée dans la gamme publique, donc on exclut les Threadripper, eh bien c'est 3,6 GHz. On compte pas non plus les fréquences turbo. La fréquence, concrètement, ça va être la vitesse de chacun de vos cœurs. C'est donc très important aussi. Ici, on a ce que je considère comme le meilleur processeur grand public, le Ryzen 7 1800X, qui est un choix très solide pour des travaux lourds parce qu'on a un octocore à 3,6 GHz. Par ailleurs, on parlera pas overclocking dans cette vidéo, car je garde ce sujet pour une vidéo future, mais sachez qu'il y a moyen de gagner 15 à 20% de performance sur votre PC sans même dépenser un centime de plus dans la config. Alors, pour l'installation de celui-là, bah c'est tout petit et faut pas se rater. Déjà, on évite de mettre ses gros doigts sur le dessus ou sur le dessous du processeur. Puis on le place sur la carte mère. Il y a un petit levier à lever pour ainsi placer le processeur dessus. Regardez bien le petit triangle qui se trouve sur le processeur et sur le socket pour bien le mettre dans le bon sens. Une fois fait, bah vous pouvez abaisser le levier. Alors on parle pas de pâte thermique tout de suite, mais plutôt dans la prochaine partie qui est le refroidissement. Alors concrètement, ce qu'on veut, c'est refroidir le processeur sans pour autant qu'on a un bruit de tornade à l'intérieur de notre bécane. Pour ça, on a deux techniques, le refroidissement par air et le refroidissement liquide. Pour le refroidissement par air, on va avoir un gros radiateur placé sur le processeur. Ce radiateur va extraire la chaleur du processeur et la répartir sur ses ailettes. On a ensuite un ou plusieurs ventilateurs qui vont faire circuler de l'air sur ces ailettes pour les faire refroidir. Mais ici, ce qu'on cherche, c'est vraiment le top du refroidissement, et c'est pour ça qu'on va se tourner vers le refroidissement liquide ou appelé water cooling. Ici, c'est un liquide qui va circuler dans un conduit fermé. Il va d'abord passer par le processeur pour en absorber la chaleur, puis vers le radiateur pour transmettre directement cette chaleur aux ailettes. On retrouve ensuite encore une fois nos ventilateurs pour refroidir les ailettes. Alors pour choisir son refroidissement, il y a des comparatifs sur internet. Ils vont permettre de voir les performances des différents refroidissements dans des conditions similaires. Ici, on va utiliser un BeQuiet Silent Loop 280 mm qui est connu pour sa discrétion. Par ailleurs, il y a 4 tailles de manière générale sur les water cooling. 120, 240, 280 et 360. Plus c'est grand, mieux c'est, mais il faut faire attention à ce que le boîtier puisse supporter une telle taille. Parce que pour le coup, c'est vraiment une grande pièce. Et là, comme vous le voyez, pour placer le water cooling en haut, bah ça bloque. Heureusement, c'est pas le seul endroit où on peut placer un water cooling. Par exemple, pour ce water cooling, il existe 4 positions différentes où il peut être placé de manière correcte. Du coup, plutôt que de le placer en haut, on va le placer devant, et ça changera concrètement pas grand chose. Maintenant que le radiateur est fixé, on va pouvoir relier le bloc à notre processeur. Tout d'abord, va falloir appliquer la pâte thermique à ce dernier. Alors ici, on a plein d'écoles, la croix, le petit point, voire même la carte bancaire, même si c'est pas très utile pour le coup. Mais bon, concrètement, si vous en appliquez modérément sans l'étaler, ça devrait le faire. Mieux vaut d'ailleurs en mettre
un peu trop que pas assez. Bon après faut pas non plus que ça dégouline. Une fois la pâte thermique disposée, on va pouvoir visser notre gros bloc. Dans certains cas il va falloir fixer une plaque derrière la carte mère pour faire tenir ce dernier. Mais c'est pas toujours le cas et là ça l'était pas. Pour le air cooling bah c'est pareil au final, faut juste bien respecter le sens et il y aura zéro souci. Surtout que pour celui-là on peut oublier la première partie fastidieuse du gros bloc à rajouter, la mémoire vive. Là encore, il y a trois choses à savoir dessus, mais c'est l'un des composants les plus simples. Déjà, comme dit plus tôt, sa norme, DDR2, DDR3, DDR4, on en a déjà parlé plus tôt, si ça correspond à votre carte mère, c'est tout bon. Ensuite, il y a la quantité de mémoire vive, il y a 4, 8, 12, 16, 32, 64, 128. Si vous comptez jouer au dernier jeu gourmand, partez sur du 16 Go. Normalement, ça devrait être bon pour assez longtemps. L'important de la quantité de mémoire vive, c'est ne pas en manquer, sinon votre ordinateur va ralentir fortement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut partir dans l'overkill, parce que là, bah, tout le surplus est totalement inutile. Ça va absolument pas rendre votre ordinateur plus rapide. Enfin, le troisième point dont on parle pas assez souvent malheureusement, c'est la fréquence. Pour résumer grossièrement, c'est la vitesse de la mémoire vive. Et ça va définir la vitesse à laquelle on va pouvoir lire et écrire dessus. Aujourd'hui, vous avez des barrettes allant de 2133 à 3200 MHz, voire plus, mais concrètement, c'est pas très grand public encore une fois. Ici, on a deux barrettes de chez Kingston de 16 Go à une vitesse de 2666 MHz, en DDR4 bien évidemment. Alors oui, j'ai dit que 32 Go, il y a beaucoup de chances que ce soit overkill, mais quand on rajoute du streaming, des logiciels, etc., bah on peut finalement peut-être y arriver de temps à autre, et là c'est plus pour voir dans le futur. Ici c'est le composant le plus simple à placer, il y a juste à les enclipser sur la carte mère, et dès que vous entendez un petit tic, c'est bon, ça fonctionne, il n'y a rien de plus à faire. Alors par contre suivez encore une fois votre manuel de carte mère, car c'est possible que la gestion de la mémoire vive soit plus efficace sur certains ports spécifiques lorsque vous utilisez que deux barrettes. C'est une petite optimisation gratos, on va pas cracher dessus. La carte graphique. Le second grand combat. Alors, AMD ou Nvidia sur ce coup? Eh bien là, ça dépendra plus de votre budget que votre utilisation. De manière personnelle, je préfère AMD sur la gamme RX pour des configs à bas prix et partir sur du Nvidia pour des configs plus élevés. Parce que je trouve que Vega a encore du chemin à faire pour vraiment concurrencer les plus grandes gammes de Nvidia. J'avais aussi fait une vidéo parlant de AMD versus Nvidia il y a quelques temps, elle est pas totalement à jour, mais ça peut être quelques informations à prendre en plus, alors encore une fois, ça se trouve en fiche. Ici, il n'y a pas de critères à respecter ou de caractéristiques notables. Mis à part ne pas prendre une carte graphique trop longue pour son boîtier. Car sinon, bah ça rentrera pas, c'est un peu bête. Et ici, comme pour le refroidissement, le mieux pour choisir sa carte graphique, c'est de regarder des benchmarks, des comparatifs, etc, etc. Et en dehors des performances, il y a toujours l'aspect bruit qui est très important. Ici, on est sur une carte graphique de chez Nvidia, la MSI GTX 1080. Ce qui est intéressant avec cette carte graphique, c'est qu'elle est overclockée de base. Et un refroidissement qui s'adapte à l'utilisation pour ne pas consommer inutilement, mais aussi réduire le bruit qu'elle fera dans la tour. Alors ici, il faut se brancher en PCI sur la carte mère. Et il faut bien faire attention à faire en sorte que les différents ports puissent sortir encore une fois à l'arrière du boîtier. Sinon bah vous pourrez pas brancher votre écran. C'est pas très compliqué mais faut juste faire un peu attention car c'est une des pièces les plus lourdes. Derrière, une fois fixé, on n'oublie pas de visser comme n'importe quelle pièce. Le stockage. Alors là, il y en a de toutes sortes et ça va être compliqué de tout lister. Mais on va essayer de lister les principaux. Je vais essayer de parler des plus répandus et de ceux qui arrivent sur le marché. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir parler de tout parce qu'il existe vraiment une infinité de types de stockage. Donc n'hésitez pas à parler de certains dont je n'ai pas parlé en commentaire. Par ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo expliquant la différence entre les disques durs et les SSD. Encore une fois, ça se trouve en fiche. Commençons par le plus classique, le disque dur. Ça s'installe dans les baies que l'on trouve à l'avant du boîtier et rien de plus. C'est vraiment une pièce très simple à mettre. C'est en général les plus lents mais c'est aussi les plus abordables. Après on a les SSD, encore une fois ça peut se placer dans les baies mais aussi d'autres emplacements comme l'emplacement M2. Celui-là il faut que votre carte mère le dispose comme c'est le cas de la X370 et ça va permettre de mettre un SSD qui fait vraiment la taille d'une barrette de RAM voire moins. Là on est sur une vitesse bien plus rapide mais c'est pas le plus rapide et d'ailleurs on ne va pas utiliser ça mais on va utiliser une nouvelle technologie qui commence à arriver qui est le NVMe. Le NVMe c'est des vitesses 4 à 5 fois supérieures à du SSD classique. Par contre si vous voulez en utiliser il faut que votre carte mère soit compatible. Déjà parce que soit ça se branche en M2, soit en PCI, donc c'est-à-dire qu'en M2 il va falloir une carte mère qui peut le supporter, mais aussi parce que sinon ça risque de trop chauffer et de ralentir fortement la vitesse de ce dernier. Nous dans ce build on va utiliser un SSD NVMe en PCI. Il vient de chez Kingston et niveau vitesse c'est vraiment violent. On a du 900 Mbps en écriture et du 2700 Mbps en lecture. Autant dire que là Windows il démarre en moins de 4 secondes. Pour placer celui-là, bah c'est pas très différent de la carte graphique, il faut juste trouver un port PCI libre et hop on clipse et voilà ça fonctionne. Bon maintenant que nos pièces sont enfin toutes installées on va enfin pouvoir passer au câblage.
Ici, rien de bien sorcier, il y a des notices, il faut les suivre. Et clairement, c'est là que vous allez apprécier votre alimentation modulaire pour ne pas avoir des câbles qui partent n'importe où. Il suffira juste de prendre les câbles dont vous avez besoin dans la boîte de l'alimentation et hop, rien de plus. Alors là, malheureusement, ça va vraiment dépendre de votre build, de comment vous allez câbler votre ordinateur. C'est pour ça que je vous dis de vous fier à vos manuels, mais néanmoins, je peux vous donner deux généralités. Déjà, on va avoir des câbles d'alimentation vers chacun des disques durs. Au moins deux câbles vers la carte mère, un pour alimenter cette dernière et un pour le processeur, et au moins un câble vers la carte graphique. Si je peux vous donner deux conseils, c'est déjà de faire du câble management. Ça peut paraître tout bête, mais c'est pour éviter que ce soit le bazar dans votre boîtier. Là, dans ce boîtier-là, c'est les petits trous orange dans lesquels on va pouvoir placer nos câbles à l'arrière. Ça va donc nous permettre d'avoir une belle configuration aérée. Surtout qu'avec un boîtier transparent, ce serait dommage de voir des câbles partir dans tous les sens. Alors ça prend pas énormément de temps et ça vaut carrément le coup. Enfin, je me répète, mais regardez attentivement les manuels pour ne pas faire d'erreur. Et assurez-vous que chaque pièce est reliée à la carte mère, parce qu'étant donné que c'est elle qui va tout monitorer, bah si rien n'est branché à cette dernière, ça veut dire que ça va pas très bien fonctionner. Bon, on a enfin fini de monter le PC, on va maintenant tester la bête. Alors, qu'est-ce que ça vaut une fois Windows 10 installé? Par ailleurs, pour vous informer, je l'ai installé à partir d'une clé USB, étant donné qu'on n'a pas de lecteur CD sur ce PC. Puis de toute façon, qui utilise encore des CD en 2017, hein. Eh bien, tada, ça démarre. Bon, la résolution est pas incroyable pour le moment, va falloir installer les drivers. Alors, soit vous pouvez installer les drivers un par un en allant sur les sites des constructeurs, soit vous pouvez aller sur des sites qui permettent de tout centraliser. Personnellement, j'utilise Driver Cloud qui va scanner les pilotes actuels et ainsi chercher des mises à jour. Ça va beaucoup plus vite. Après, j'utilise Ninit pour récupérer les logiciels importants. Encore une fois, ça centralise tout et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Il suffit juste de cliquer sur les logiciels voulus et hop, ça va tout installer d'un coup, c'est grave pratique. Enfin, on va tester la bête pour voir que tout fonctionne et on va lancer quelques benchmarks. On va déjà lancer 3D Mark qui est un bon benchmark pour tester la carte graphique et un peu le processeur, mais c'est pas le meilleur pour ça. Comme vous pouvez le voir, les chiffres qu'on a sur ce test sont violents et pas mal dans le haut du classement. Donc bah normalement Minecraft devrait tourner au moins en moyen, je pense. Enfin, plus qu'une chose à vérifier, si le PC est bien silencieux. L'avantage de ce boîtier de chez BeQuiet, c'est qu'en plus de très bien absorber le bruit des ventilateurs qui sont dans un boîtier, on peut régler leur vitesse et on peut arriver à un ordinateur vraiment inaudible. Et ça, quand on travaille dessus toute la journée, bah c'est sacrément agréable. Et voilà pour cette vidéo très longue pour comment monter un PC de A à Z. J'espère qu'elle vous aura aidé dans votre aventure de builder, ou au moins à vaincre cette peur de monter son PC soi-même. Par ailleurs, vous avez déjà monté un ordinateur, vous? Bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis bah balancez vos configs, on verra qui a la plus grosse. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce bleu des familles qui m'aide énormément dans mon aventure, ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, voire Google+. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le haut qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut.